On va y aller avec la deuxième dans ce cas-là. C'en est une longue. Messieurs, vous l'avez déjà eue à l'avance, mais pour les citoyens et citoyennes, bon courage, accrochons-nous. L'aménagement durable du territoire est un enjeu qui préoccupe énormément la population. Si vous êtes élu, dites-nous vos engagements quant au futur développement du territoire. Précisez le nombre approximatif de permis de nouvelles constructions que vous souhaitez émettre par année, quel type de développement et la manière dont les citoyens seront impliqués dans la prise de décision. On met en parenthèse une sous-question. Si vous êtes élu, qu'adviendra-t-il du projet de PPU pour le Golfe? Et si vous êtes élu, qu'adviendra-t-il du projet de pôle d'emploi prévu le long de l'autoroute après la sortie 371? On va laisser M. Couture débuter avec sa réponse. J'ai l'impression de devoir répondre à une question posée à un ministre de la Santé sur qu'allez-vous faire pour régler les problèmes depuis 40 ans. Je la trouve très lourde, mais je vais essayer de la faire le plus adéquatement possible. En fait, à titre de permis de construction, notre projection, là, c'est tout simplement de commencer par le début, commencer par les fondations et de faire un plan stratégique de développement durable qui inclut clairement, dans le fond, le niveau économique, le niveau environnement et le niveau social en continu et non pas en silo. C'est la seule manière de faire une projection adéquate de notre développement puis de l'aménagement du territoire puis où on s'en va. Le nombre de permis émis par année, c'est aussi une question de support de notre administration, mais c'est aussi une question de support de notre milieu. On ne peut pas penser aller à 200 permis par année dans les conditions actuelles. Donc, ce qu'on connaît de la vraie réalité, c'est qu'autour de 100 permis par année, c'est ce qu'on peut se permettre de faire à la municipalité dans les meilleures choses. Les années où on en a eu beaucoup plus que ça, les impacts ont été majeurs et, ma foi, presque catastrophique, là, qui nous ont projeté dans des RCI répétitifs, par exemple. Alors, si je vais pour le plan stratégique, on se comprend que ça se fait en concertation avec les citoyens. C'est là qu'on définit toutes nos visions en loisirs, en sécurité publique, en travaux publics, en aménagement et en urbanisme. C'est fondamental d'y aller comme ça. Je peux aller sur le dossier du Golfe parce que je crois que le temps file. Au niveau du Golfe, nous autres, c'est clair, on a compris le message. Il y a eu une consultation organisée par les promoteurs. Ensuite, une consultation organisée directement de par la municipalité. Le rapport a été déposé même récemment sur le site de la municipalité. Les gens n'en veulent pas. Il n'y a pas d'acceptation sociale là-dedans. Puis nous autres, on est d'avis qu'il faut se concentrer ailleurs avant d'ouvrir plus grand notre périmètre urbain. Consolider nos infrastructures et se préparer pour l'avenir, c'est pas d'ouvrir encore plus grand là où on doit déjà travailler. Merci beaucoup, M. Couture. Le temps est déjà échu. M. Lebel. Merci, Mme Picard. Bon, écoutez, vous ne serez pas surprise d'apprendre, et les gens qui nous écoutent ne seront pas surpris non plus d'apprendre que je suis en désaccord avec M. Couture. Ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'il n'y a pas de développement sauvage à Stoneham. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas ouvert de nouvelles rues. Hein? Et il ne faut pas penser que l'objectif de 100 permis par année, qui me paraît réaliste par ailleurs, sera dépassé. Non. Je pense que ça, c'est un objectif qui est réaliste. Mais maintenant, s'opposer à des formes de développement comme celui du Golfe, sans savoir de quoi il est question, sans avoir posé les questions aux promoteurs, sans avoir eu un projet définitif de présenter, ça me paraît de l'inconséquence. Ça me paraît très grave parce que c'est un peu de l'aveuglement. Et que ce que les citoyens nous ont dit lors de la séance du Conseil de l'été dernier, là où il y a eu une opposition, et lorsque j'ai déclaré qu'il y aurait un plébiscite sur la question, ben la pétition qui nous a été déposée là était pas du tout hostile au projet du Golfe. On posait de très bonnes questions à l'intérieur. Et c'est ce qui m'a décidé d'aller en plébiscite éventuellement, mais une fois que le promoteur aura vraiment présenté son projet, on peut pas décider de quoi que ce soit sans avoir vu, sans connaître, sans avoir analysé. Il faut savoir compter dans la vie, hein? On n'a pas de projet qui a été encore déposé. Il faut l'évaluer, ce projet-là. Il faut consulter la population, il faut leur montrer de quoi il s'agit. Et là, la population va être capable de prendre une décision avec sa municipalité. C'est hors de question que ce soit un conseil municipal qui décide ça tout seul de son côté. Bon, c'est une question qui est très longue. On va parler maintenant du pôle d'emploi.
Le pôle d'emploi, là, c'est un signal comme quoi la ville de Stoneham est ouverte pour les affaires. C'est important, ça. Quand on dit on refuse catégoriquement en bloc le projet du golf, là, ça dit on n'est pas open for business, pas une minute. Et ça envoie un très mauvais signal pour l'avenir, pour tous ceux qui pourraient être intéressés à faire des affaires avec la ville de Stoneham. Je pense que c'est une très mauvaise voie, une voie dangereuse. Le projet de parc, d'éco-parc, est un projet qui porte bien son nom. C'est un projet où il va y avoir 65% d'air protégé. Merci, M. Lebel, je suis désolé. Qui vont être revalorisés. Merci, merci. Désolé de vous couper la parole, c'est vraiment par souci d'équité pour tout le monde. Je vous en prie, vous faites bien. Je serais parti encore une autre demi-heure. Parfait. Ben, je pense que ça serait le cas de tout le monde. Je pourrais utiliser le temps dépassé pour répondre, non? Ben, je m'excuse, je ne veux pas commencer à embarquer là-dedans. OK, parfait, parfait. L'aménagement durable du territoire, les permis de construction. D'abord, pour rappeler que la RCI vient encadrer les développements et l'ouverture de nouvelles rues. La bataille menée pendant mon premier mandat pour sauver le patrimoine foncier a permis des assouplissements. La décision rendue par la Cour en mars 2018 aura permis à l'autre partie d'ouvrir enfin un vrai dialogue et au conseil en place de finaliser. Stoneham, c'est 80 à 100 permis par année, alors une croissance de 2 à 3. Alors, il est possible d'envisager aux promoteurs un quota de lots à ouvrir, des quotas selon le type d'habitation, etc. Et, autre chose importante, raccorder les secteurs aux égouts, les secteurs les plus problématiques. Le PPU sur lequel je crois en la requalification de ce site. Mes plateformes de 2009 et 2013 en faisaient mention. On ne peut nier le déclin des golfs. Je comprends que la vision est de maintenir le golf à l'est qui permettrait de conserver une fenêtre telle que désirée. Aujourd'hui, je ne me prononcerai pas pour ou contre. Je vais prendre le temps d'écouter. Que propose ce projet? Y a-t-il des avantages pour la communauté résidentielle, commerciale, loisirs, parcs, pistes piétonnes? Je crois que la trame urbaine s'en trouverait améliorée. Également, vous me parlez du pôle d'emploi prévu le long de l'autoroute. J'ai amorcé ce débat à l'époque à la MRC. Ces terrains ont été l'objet de discussions à la MRC. On cherchait un secteur pour accueillir un parc industriel, un endroit stratégique pour un type d'activité, accueillir des industries vertes axées sur la biomasse forestière. Ouvrir un pôle de site d'emploi de cette nature est long, ça va prendre du temps. Il va falloir analyser comme il faut les impacts sur l'environnement et surtout viser impact zéro sur l'environnement. C'est un beau projet, il faut le poursuivre